Alors, ce matin, c'est évidemment le bureau de parti qui se tient. Elisabeth Groutars, vous êtes au siège du MR. Oui, donc le MR s'est réuni vers 9h et la réunion a pris fin vers midi aujourd'hui. Et c'est une réunion qui normalement devait être décisive puisque c'est aujourd'hui que devait se tenir l'audition d'Armand Dedecker. Et à la grande surprise de tous et vu l'ampleur médiatique qu'a pris l'affaire, eh bien l'audition d'Armand Dedecker a eu lieu hier. Armand Dedecker a alors été mis en congé de ses fonctions internes. Il était par exemple membre du bureau du parti, mais le MR a décidé de ne pas l'exclure vu qu'il n'est pas encore inculpé. Il reste donc bourgmestre duc les députés bruxellois et aujourd'hui, comme vous allez l'entendre, eh bien cette décision était encore sur toutes les lèvres à la sortie de la réunion. Je pense que notre président a pris la bonne décision. C'est un coup dur pour le parti. Bon, c'est pas des moments très rigolos, hein. C'est pas des moments très 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 agréables. Mais je ne doute certainement pas de la capacité du MR de gérer les choses et de faire ce qu'il y a lieu de faire. Je suis avocat moi-même, donc j'en parle assez à l'aise. Il y a des règles de déontologie qu'il faut respecter.